ce quintet avec Futur Fête devant les propriétaires américains qui ont fait le déplacement. Je suppose pour un premier quintet, un premier succès à ce niveau-là pour vous, ça va être une satisfaction. Énorme, énorme. Plus qu'un cross normal, bah, c'est surtout c'est un quintet, donc c'est un beau prix, mais pour avoir les propriétaires là le même jour, ça clique est parfait, quoi. Et énormément. On espère toujours de faire des choses comme ça avec les chevaux des clients, mais ça ne marche pas toujours. Donc les jours que ça arrive, c'est un peu un compte fait. Surtout meeting Deauville, pendant la vente, il y a un touche magique. Donc je ne sais pas qui m'a porté les chances aujourd'hui, mais merci beaucoup. vous avez quelques années maintenant d'entraînement derrière vous, mais remporter un premier quintet, est-ce que c'est toujours quelque chose de satisfaisant? Absolument. C'est la troisième année. J'ai parcouru beaucoup de quintets. On n'a pas toujours les chevaux d'handicap. Mais oui, pour la première fois de faire ici, c'est magique. En plus, la remise de prix a été refaite par Nicolas Clément, pour lequel vous avez été assistant. Pour continuer pour les touches magiques aujourd'hui, oui, Nicolas il m'a donné le prix. Et voilà, mon ancien patron, je l'appelle Papa Clément, il est plus qu'un patron, il fait partie de la famille, je pense, donc c'était très cool. Bon, ça va motiver les propriétaires à acheter aujourd'hui? Écoute, si ça chauffe, j'aurais dit pas non. Bravo. Merci.